Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Tom Clancy Ghost Recon Wildlands. On se barre sans nos copains. Crac. On va aller chercher, il me semble que c'est ici, c'est ici. La crosse compensée pour un fils de sniper qui est là-bas, donc à 4 km. Et on peut voir du coup, grâce à cet hélicoptère, la morphologie de la région. Qui est très vallonné et ça change encore une fois, c'est encore une autre région qui est complètement différente du reste. C'est ça qui est assez fou, finalement. C'est la capacité du jeu, enfin des développeurs, à avoir réussi à créer des régions complètement différentes à chaque fois, quoi. C'est quoi le nom de la ville, là, qu'on va passer? Il y en a pas. Ça sent le missile, ça. Raté. Ouais, je l'ai pris un peu trop tôt. Là, je veux bien reconnaître. Je l'ai pris un peu trop tôt. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Franchement, ça, regardez ça là. Putain, vive 2017 quoi. J'ai hâte de voir à quoi ressembler 2018. Une carrière. Génial. Oula, non, c'est pas qu'une simple carrière. Oula. Un hôtel en bas. Tu veux bien tourner, s'il te plaît? Oula, il en chie un peu. Alors mon écran en chie aussi, moi, du coup. Pour être tout à fait franc avec vous. Ah, Nvidia GameForce Ready Driver disponible. Ok, bon bah écoute, si tu me dis. Sicario en vue, avec un PM. Dis-moi où? Juste à côté de la pile. Je vois, ils vont te voir. Mais serais-tu un sniper? J'ai un sniper en visuel. J'ai un sniper mort. Là, on est repéré. Mort en visuel, voilà, merci. T'es sérieux là, bonhomme? Le lieutenant fout le camp. Attends, attends qu'on rigole, lieutenant. Lieutenant! Vais-je avoir le temps de le défoncer? C'est pas la bonne arme, Marcus. Non, oula. J'engage. Oui, ce serait peut-être pas mal, hein. Putain, les rebelles vont être obligés de faire avec. Frag lancé, comme une yarda, les roses. Je pensais que ça... Hey, j'ai trouvé une caisse d'armement. Putain, mais je les vois pas, c'est casse-couilles, je comprends pas ces flèches. Oh la vache. Où est-ce qu'ils sont? Frag lancé, à
Torchons les yeux. Tu me saoules, gamine. Enfin, gamin ou gamine, je sais pas. Gamin, sans doute. Putain, ils sont à la fenêtre, tout connement. D'avoir un point de compétence. Allez comprendre. Mitrailleuse. Je récupère mon snipe, s'il vous plaît. Merde. Et au niveau de mon G36, pardon. Quoi ? Quoi ? Bon, vous me pétez les couilles tous les deux là. Voilà. Sinon mon pote allait peut-être te tirer dessus à un moment ou un autre, mais je sais pas trop quand. Allez, monte. Ah non, ah non. Me dis pas que tu peux pas monter sur une table en plastique. Voilà. Ah non, mais utilise tes mains. Tes mains. Putain. Ah non, il veut pas. Franchir, c'est compliqué. Alors, comment je remonte sur le toit? Ok, pas par là. Là. Quelle idée de foutre des escaliers à l'extérieur, quoi. Mais non, mais non, mais non. Tu te calmes, Johanna. Johanna, tu te calmes. Mais comment je remonte? Mon Dieu. Voilà. Là, il utilise ses doigts, bizarrement. Ses 10 doigts. Ok, bon, on y est. Quoi qu'il arrive, on y est. Un hélico, ça vous tente? Celui-là est bourré de provisions qui pourraient servir aux rebelles. Hop. Fille de sniper, cross compensé. Si c'est pas la bonne... Putain. Il y a des moments où il y a des tests, ce jeu. Alors attendez, je vais juste regarder faire ça, chers amis, parce que là, je vais supprimer, voilà, le Nvidia GeForce. Voilà, crack, vous avez rien vu, normalement. C'est génial. C'est la joie des logiciels de tournage. On a un Intel là-bas, à droite. On y va, c'est parti, mon kiki. À côté de l'Intel, on a ceci. C'est bon. Alors, apparemment, pas loin, il y a un hélicoptère intéressant à voler. Aussi, au passage. Crac, je prends des photos. Je veux les localisations des raids rebelles. Merci. Wouhou. J'ai trouvé le plan de vol d'un avion logistique du cartel. Apparemment, il a le plein. Et voilà. Il est juste à côté. Tout est relatif. Voler la viande, Maquet. Je vais voler la viande. Alors comment j'ouvre cette putain de porte? Faut que je tire là-dedans? Non. Non, 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 non. Faut que je sorte avec une voiture du cartel. Sans doute. On y va. Si je prends le SUV de la Santa Blanca, est-ce que vous allez m'ouvrir la porte, homme mort? Oui. On va couper la musique parce que c'était pas dans la bonne musique. C'est la musique qui baise les droits d'auteur. Ça va, c'est à peine un guet-apens. J'adore ce mot. Et oui, là il veut, hein, mais une table en plastique, non. Et celui-là. Quoi? Un hélico, tous à terre. Les renforts ennemis arrivent. Je vais tirer. Y'a un PM qui est sorti de nulle part. Vous voulez bien m'aider? Merci.
Faudrait aussi empêcher quelqu'un qui prenne l'hélicoptère, l'avion. Qu'il y ait un pilote dans l'avion. Est-ce qu'il y a... Ah, il y avait un abruti qui voulait piloter l'avion, mais qui savait pas comment s'y prendre. C'est bon, dommage. Bon, on va récupérer tout ce qu'il y a à récupérer, c'est-à-dire le truc à level ici. Voilà. C'est bon, ce qui me fait 3 points quand même. 3 points quand même. Il faudra un quatrième. C'est presque cool. Je vais piloter, hein, si ça vous... Oui, pour le marché, moi c'est Ignacio. Merci, texto. Hey, Hermano, donne pas ton vrai prénom. Ok. Je m'appelle... Bon, vous êtes débile, vous êtes aussi débile que le mec de tout à l'heure. Hein. Donc... Wouah ! Le baril ! Le baril de la mort, hein, clairement. Hein. Le baril qui n'avait rien à faire ici. Ah bah oui, tu devrais me la mettre encore plus haute, la piste d'atterrissage, tiens, qu'on rigole. Ok, bon, bah on y va. C'est bon, je vole un avion, je vais pas aller retourner voler un hélico. Oh putain. Sous cet endroit-là, je sais qu'il y a des lance-missiles. Sauf qu'avec un coucou endommagé, je dédoute d'y arriver. Apparemment, il y a une mission en bas aussi. À base de véhicules. Ouais, et puis il y a de l'orage, tant qu'à faire aussi, oui. Pourquoi pas? Why not? Et je dirais même après, what else, du coup? Parce que qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Si je suis frappé par la foudre, je vous emmerde. Je stoppe la série. C'est clair! Manquerait plus que ça. Je serais d'avis qu'on se chope quelques feuilles de coca pour mieux encaisser l'altitude. Tu veux te taper de la coke? J'ai dit coca, pas cocaïne. C'est juste les feuilles. Pour faire de la coke, il faut ajouter du kérosène ou de l'acide sulfurique pour extraire une sorte de pâte qu'on fait bouillir pour isoler la cocaïne qui ensuite est coupée. Je parle juste de coca, moi, pas de toute cette merde. D'après l'OMS, la feuille de coca est bonne pour la santé. Ah, ok. Je raconterai tout ça au président quand vous aurez foiré. Tout a l'air intact. On peut y aller. Foiré vos tests d'urine. Qu'on indique les coordonnées aux rebelles. Qu'il est con. Qu'il est con. Ah, il est magique cet homme. Ok, ça c'est fait, ça c'est cool. On me semble qu'on avait un fusil d'assaut ici aussi. C'est ça, hein. Un pistolet, pardon. Je sais qu'il y a un fusil d'assaut quelque part dans le monde. Là. Ah non, c'est un PM, exact, exact, exact. Je me suis fait avoir. Je me suis déjà fait avoir. Ok. Et vous savez quoi, on va aller chercher l'intel critique qui est juste ici. On va aller à Okoro Charlie. Charlie, si tu regardes cette vidéo, je sais que tu ne la regardes pas, ces vidéos-là. Donc, je sais que tu ne l'enverras pas. Donc, big up Charlie. Charlie est une femme, je précise au passage. Calmez-vous. Il y a un hélicoptère. Calmez-vous. On le prend. Calmez-vous. Hop. Je prends les commandes. Il prend les commandes. Salut! Yamakas! Oh, il y a un point de sniper juste devant mon point de sniper. Oh! Le vrai test, ce serait de réussir à se parachuter. Ouais, non, ils vont me voir avant. Ils vont me voir, ils vont me défoncer avant, surtout, oui. On va tenter. Ok, en douceur. Ah, je l'ai loupé! Non! Merde! Recule, mais recule quoi! Merde, sniper! Je l'ai tellement chié! Ah, oh, j'ai la haine! Si je pouvais recommencer, chers amis. S'il suffisait qu'on s'aime. S'il suffisait d'aimer. Le monde serait...
Je sais plus la suite. Il y en a un qui doit être en fuite du coup, oui. Donne-moi tes couilles! Ah merde! Je voulais lui donner. Je voulais récupérer ses couilles. Ça n'a pas marché. Malheureusement, ça n'a pas marché. T'es bon? Qu'est-ce que tu foutais? Bah. Il mangeait ses couilles. Mais ils sont où? Avant, il était de la Santa Blanca, puis il s'est pris une balle dans le genou. Je sais pas sur quoi vous tirez, les mecs, honnêtement. Moi, je vois absolument personne. Bah, lui, il m'a vu. Ah oui. Oh. Je suis pas d'accord. Tu m'étonnes, vu comment il tremble mon truc. Ah la vache. Ça y est, je l'ai eu. Bon, il est où celui qui m'a tiroyé dessus là? Ok, on s'en tire bien. Qu'est-ce que t'as foutu, putain? Je crois que c'était un de mes ennemis. Je sais pas combien j'ai tué de civils en deux épisodes, mais ça doit faire beaucoup. Si je saute, ça peut être rigolo ou pas? Non, il veut pas. Je trouve plus la sortie. Je trouve plus le trou! Les amis! On a un problème, je trouve plus le trou. Salut, bonjour, Imhotep. J'ai toutes les munitions que je veux, c'est bon. Ah, maudite, maudite radio. C'est bon. Je me suis calmé, j'ai eu la radio. Ok, 50 points de transmission, c'est ridicule. Et sinon, le point de compétence, il est là. Voilà, les trois, pardon. Et l'intel, je veux bien que t'enquêtes. Voilà, il est là, merci. Ouh, qu'est-ce que c'est? Des plans de maison. D'accord. On dirait que le cartel gère un labo de cocaïne à bord d'un bateau de pêche reconverti du côté de Campoana. C'est le genre de cible qu'on cherche. En détruisant ce labo, on mettrait la pression à l'émissario. Mais j'ai pas les armes qu'il faut pour détruire des labos. Ça qui est dommage. Mais elle a l'air sympa, n'empêche. Elle a l'air sympa, cette mission. Bon, est-ce qu'on a autre chose à visiter dans le coin? Là-bas, un zoom pour un fusil d'assaut. Pouah, ça m'intéresse pas. Puis c'est loin de tout. Sauf s'il y a un hélico ici. S'il y a un hélico ici, on le prend. Si on n'a pas, on fait la mission qui est juste à côté. Oh, je m'étire. Bois. Je me suis. Vous avez vu comment je me suis avachi? J'étais comme ça. Blah. Enfin bon. Ok. Et niveau hélico, c'est un peu zéro. Parfait, parfait. Bah merde. Ah d'accord. Ah oui, c'est un véhicule qu'on cherche. À l'usine de cocaïne d'Okoro. Quand vous l'aurez, entrez et foutez tout en l'air. Ok. Ça peut s'arranger. Ok. On y va. Bon.
Il est juste devant, chers amis. C'est parti. Le tuez pas! Aïe! Putain, il remonte en bagnole! Tu te bouges plus, hein? Ouais? T'es sûr? Faut que je t'emmène par contre là, parce que sinon, si ça va péter. Aïe, 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 viens, viens à l'ombre, il fait trop chaud au soleil. Et sous les flammes. Ok, bonjour. Tu parles ou pas? Mais tu es pas, pour le fond, j'ai une famille. Le code d'accès au laboratoire de cocaïne, c'est quoi? J'ai deux enfants, deux garçons. Mis chiquitos, Gustavo et Felipe, je les ai en photo. Vous voulez les voir? Non, j'en ai rien à battre de tes photos. File-moi le code d'accès et ça s'arrête là. Pero que es eso? Vous avez un truc contre les enfants ou quoi? Putain, tu veux les revoir? Gustavo et Felipe, alors file-moi ce putain de numéro. Tout bueno, mire. 654375, c'est tout, je le jure. Bon man, on a trouvé le code. Tu mériterais que je te bute. Dans le logiciel de gestion de chaîne. Il va faire déconner le traitement chimique de façon subtile. Pour gâcher la coke. Et il briquera les machines quand désolé. Quelqu'un essaiera de virer. Confirmer, de toute façon, Sarlanka va y perdre pas mal de cam et toute sa chaîne de production. Putain, il a chaille. Ok, c'est pas là qu'on va. Nous, on va là. On y va même en mode... En mode bourrage. Non mais les mecs, ah, ils nous ont suivis. J'ai rien dit. J'allais dire qu'ils nous suivraient... Ils nous suivraient... Jamais, mais j'ai rien dit. Ouh, le flanc de montagne. Wow. Ah là, en vrai, la voiture, elle bouge plus, hein. Tout a éclaté dans la voiture, hein. Là, en vrai, la marche arrière, elle sert strictement à rien, hein. Aussi, au passage, hein. Mais bon, c'est un jeu Ubisoft, la réalité, ils connaissent pas, hein. Je demanderai à Mou, hein. Aïe. Aïe aïe aïe. Ouïe. Aïe aïe aïe. Ok, c'est pas. On est bon. Casse-toi de ma route. Mais merde. Mon meilleur ami serait là, il serait content d'entendre mes merdes. Ah. Le van a-t-il atteint ses limites? Apparemment non, il roule encore. Il roule encore, mais il a encore 2 km à faire et j'ai des doutes. Il y a un bruit de cardan. Ting 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 ting. Il y a plus de phare à l'avant aussi apparemment. J'arrive pas à allumer les phares en tout cas. Va-t-il aller jusqu'au bout? Telle est la question que tous se posent. Sympa l'endroit ici. Ça fait 1000 fois plus riche. J'aimerais juste vérifier un truc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fond. Si, y en a un apparemment. Mon van! Leur lieutenant est en train de se barrer. C'est vrai? Barrez-vous de là! Pourquoi?
Ah, voilà pourquoi. Voilà, ça en fait deux. Aïe, aïe. Et je peux pas être... Ok, je vais mourir dans quelques secondes, mais... J'ai dit quelques secondes, mais attendez pas à ce que ce soit moins d'une seconde. J'ai le temps de changer mon arme, je vais pouvoir me venger de l'hélico. Qui l'hélico qui continue sa route au-dessus de ma gueule, on remarquera que ça s'appelle un focus. Voilà, il me focusera plus. Il aura essayé jusqu'au bout, cela dit. Bon, on va changer d'arme un petit peu. Le mec, il me voit d'où, là, en fait, précisément. Putain, il me voit de la fenêtre. J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Un hélico, à terre. Des personnes ? Un hélico à plein ventre. Quoi ce bordel? Il est censé y avoir plein de gens dans la zone, mais y a personne. Baissez-vous, un hélico. Où ils sont? Résolu. Oula. Voilà. J'avais pas compris qu'on avait encore 700 mètres à faire de l'autre côté en fait, c'est ça le truc. Hop, voiture. Je croyais qu'on y était déjà arrivé, moi, c'était bon. Arrêtez l'assaut, les mecs. Que passo ? Ah non, les radios rebelles, j'ai donné dans le présent épisode, c'est bon, j'arrête pour celui-ci. Vous voyez que c'est discret d'arriver comme ça ? Je suis pas sûr. Ok, bah on y va ! Ah bah regardez, il y a une ruelle. Ouvre le feu. Compris. Que passo ! Une vraie route, ça fait bizarre. Bah, c'est quoi ce bordel? Y'a personne! Y'a personne qui le couvre! L'endroit est safe de chez safe! Y'a quoi dans la zone? Rien d'autre! À part ça, peut-être à l'entrée. Y'a encore. Déploie une balise, les rebelles enverront quelqu'un à récupérer ses marchandises. Ok, c'est bon. C'était pas dur. Celle d'un labo de cocaïne à... Y'a que ça en fait, y'a que des labos dans le coin. Ah oh, bah de toute façon, bah voilà. Gourou, j'ai l'impression. Tu veux
Attends, j'ai peut-être des points de compétences à acheter. Voilà, visée stable. Oui, je prends. Voilà, j'ai donc maximisé visée stable. Hein. Là, je peux pas aller plus loin. C'est pas possible. Peut-être mettre un point en mine, vu que j'en ai déjà chopé une truc. Et en physique. Combien de temps je peux courir ? Résistance aux balles. Ça peut être pratique, mais je peux pas. Il faut un point supplémentaire. Ok. Ça c'est bon. Ah, j'ai un point avec un hélicoptère juste ici, je pourrais me déplacer super vite. Est-ce qu'il reste des intels critiques? J'ai pas l'impression. Eh ben voilà, c'est là qu'on va. On se TP ici, on s'envole jusque là où on a besoin d'aller et on recte tout le monde. Pas d'exception. Je vais juste mettre un truc. Ici, voilà. J'aime pas la radio. Et là, ici, on tue en masse. Voilà. Ouah, j'ai manqué de pop. Blabla. T'excites pas. T'excites pas. J'aimerais juste trouver cette putain de radio. L'hélico. Que passo, l'hélico. L'hélico, que passo. Accéder à la cuisine. À la l'usine, à la cuisine. Moi je pensais, oui, bah, la cuisine c'est la coke. Enfin c'est la drogue. L'usine de cocaïne, pour moi ça s'appelle une cuisine. Ah ouais. Allez, on y va, on a 5 km à faire, c'est chiant. Chers amis, nous sommes en approche, c'est parti. On prend de l'altitude, on va se parachuter en plein dessus, j'en ai rien à carrer. C'est ici qu'il y a les lance-missiles. Je suis peut-être niqué. Non, tu ne me verras pas. Ah non. C'est parti. Une fois dans le labo, on neutralise les systèmes de contrôle et les stocks de cocaïne. Après, on fout le camp. Entrez et jouez les casseurs en courant partout. Compris. Hey, plus propre, c'est compliqué. La porte est juste là. Un hélico de Unidad, profil bas. Personne ne m'a vu. On commence par la salle de contrôle. Bien compris. Une seconde, il y a une caisse d'armement. Ouais, mais elle est loin encore. Calme ta joie. Qu'est-ce que... Ah, elle était dehors, d'accord. J'ai dû louper un truc. Bon, bah j'ai l'arme de poing finalement. Attendez, c'est un 5-7. Ah. Et le 5-7, j'ai le... Alors vous allez voir que c'est beaucoup moins impressionnant, du coup, mais j'ai le chargeur agrandi, qui va le rendre très très moche, vous allez voir. Hein. Voilà. Bon, on va le mettre. Interrompre la chaîne de production de la cocaïne. Il faut que je monte à l'étage. Il faut donc que je trouve un escalier. Mais je n'en trouve pas. Je vois un sicario. Ça ? Non ? Non, moi j'en vois pas. C'est la mission de l'infiltration ultime, hein, quand même. J'aurais pas été emmerdé du tout. Oh, un PC portable ! Les contrôles sont HS. Le labo pourra pas rouvrir avant des mois. On va où maintenant ? On fouille les entrepôts. Si on trouve des stocks de cocaïne, on les détruit et ensuite on s'exfiltre. Bien sûr. Les entrepôts ? Les entrepôts. Comment t'es arrivé là-dedans, toi?
tout seul. Il est absolument tout seul. Détruire les stocks de cocaïne. Lancé, comme une merde à couleur rose. Frag lancé. C'est parti, ils nous ont vu. Et comment je rentre dans le bâtiment, putain? Ah non, mais là c'est... Merde, ils viennent de ce côté. Qu'est-ce qu'on fait ? Un sniper ! Ouvrez le feu ! D'accord, donc là maintenant ils ont dû intégrer les tirs à travers les... Les mecs ils y voient quand même vachement bien, hein, je veux pas dire mais... Quel con. Mais sinon la porte est... Ah, y'a un train qui est passé. Y'a un train qui est passé. Y'a un putain de train qui est passé sur ma gueule. Pardon. Alors là, je l'ai pas vu venir du tout. Merci copine. Allez, tiens le coup, j'arrive tout de suite. Bien joué pour ta greu. Wow. Mais la question reste la même, comment j'ouvre ces putains de portes ? C'est le deuxième bâtiment, chers amis, qui est complètement fermé. J'en ai eu un dans le premier épisode de cette session, j'en ai eu un dans le deuxième. Ah bah oui. Ah puis il faut que je refasse tout. Mais c'est pas un peu pute ça sur les bords? J'ai la haine un petit peu. J'ai un peu la haine, là. Je reconnais que là, pour le coup, je trouve pas ça honnête du tout. Drone actif. Il y a un sniper là-bas. Poupi 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 pou. Poupi 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 pou. Je peux pas aller le voir, c'est génial. With a pistol. Il y a un peu rien à cirer, à vrai dire. Ne reste
Reste pas trop longtemps sur les rails, Marcus. Alors lui, je sais qu'il est tout seul. Mouais. Je vois un arco du cartel. Ok, ça va, c'est une tourelle. Je vois une deuxième cible. Ok, c'est bon. On a réussi à rentrer tranquillement. Ok, on y est. Une deuxième fois. De contrôle. Bien compris. C'était là. Hop. C'est à peine labyrinthique. Le problème, c'est que je sais toujours pas comment ouvrir ces portes. C'est ça que je trouve dégueulasse. Les contrôles sont HS. Le labo pourra pas rouvrir avant des mois. On va où maintenant ? On fouille les entrepôts. Si on trouve des stocks de cocaïne, on les détruit et ensuite on s'exfiltre. Bien sûr. Donc là, apparemment, il va y avoir un train. Zone nettoyée. Il y a des ennemis dans le coin. Voilà, alors attendez, je viens de voir ça en fait, juste ici. Putain, c'est juste ça ? Des roues court-circuitées, on y va. J'ai repéré un stock de cocaïne. Oh, faut que je fasse du bruit pour les péter. Non, ça suffit pas. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Bah tiens, je dois avoir les mines maintenant. Les mines. Bah non, c'est des mines, c'est pas du C4. Peut-être que je peux prendre du C4 ? Non, apparemment non. J'aurais bien aimé. Frag lancé. Ok. Ça c'est bon. Dans ta tête. C'est uniquement dans ta tête. Et ça tu le repères pas ça ? Voilà, merci. Ok. Normalement, il y a un gros. Ok. Ah putain, ça pue. J'engage. Wow. J'ai pas regardé la carte et je savais pertinemment. Ok, mission accomplie. On a foutu en l'air une chier de poudre. J'en connais qui vont l'avoir bien profond. Là, on attend. J'aimerais bien un missile guidé.
peux voir l'hélicoptère à travers le... Putain. Ah merde. Vas-y, repasse. Il va pas le faire. Bah non. Bah non, bah non. La récréation est finie. On s'y remet. Là, El Emisario a vraiment les couilles dans un étau. Il va falloir qu'il sorte. El Emisario ? T'es sérieux avec ton nom là ? Oh la gueule. Ok, bon, ça s'est pas si bien passé que ça. Je suis un peu déçu, je l'admets. Je l'admets. Mais bon. Bah écoutez, on irait bien faire cette petite mission là aussi au passage. Attachez vos ceintures. Bon, si ça vous tente pas, les mecs, de grimper dans la voiture. Aïe, on évite de se prendre des murs. J'y vois que Puig. Je pilote à la réactivité là pour le coup. Hop. J'y vois que dalle, je sais pas. Ah putain, j'y ai vu l'espace d'un instant. Wow. Wow. Wow, y'a de l'eau. Je crois que j'ai mis les roues arrière dans l'eau. Flinguez-moi cet hélico, mon dieu. Ah, j'y vois rien. Là, j'y vois. J'y vois plus rien. Ok. Apparemment l'hélico que tu viens de tirer dessus, mais on est trop loin. Et j'y vois que dalle. Je tiens à préciser que mes phares sont allumés. Je viens de les allumer, de les éteindre, de les rallumer exprès, mais... Mais je vois pas la différence. Il y avait de la musique. Mission à proximité convoi de carburant. Non, j'aimerais ne pas avoir à le faire. J'aimerais passer à côté sans qu'il me voie. Mais apparemment ça va être... Putain, j'y vois mieux sans phare. Vous avez vu les phares comment ça... Comment ça empêche la vision du personnage de se... De se me faire ou pas? Notre personnage est Nick Talop. Génial! Voilà autre chose. C'est une horreur, je vois que dalle, il y a des séries de virages et je me bouffe des murs. Et elle tourne pas, parce que ça glisse au sol. C'est la fête! Oula! On va passer loin. Et voilà, j'y vois plus rien à cause du coup de tonnerre. Voilà, merci. C'est pute le tonnerre, hein. Ça vous aveugle. D'ailleurs, les autres voitures aussi vous aveuglent! Voilà, encore et toujours. Ok, le jeu m'a dit que c'était peut-être pas plus mal d'éviter, mais je l'ai pas fait. C'est pas grave. En fait, je viens de traverser une ville ennemie comme si de rien n'était. Ok, on y va. Wouh. Eh bah dis donc, ce calvaire. Il est où mon bateau? Passager, merde, non. Non, moi je veux piloter. Je suis zone pilote. Conduire, voilà. Hop, merci. Tout ça bord. On va attaquer un gros bateau. Ah, il vaut mieux qu'on passe par la gauche. T'as le temps de l'oreille quand même à ce qui se passe chez moi, un minimum. Et une fois qu'on est passé par la gauche, on peut retourner à droite. Et personne ne nous voit. Oh, j'ai rien dit. Je plombe ces fils de pute. Moi personnellement, je vais nager. Hein. On nage furtive. Un sniper à couvert.
Bon, y'a personne qui ne me voit. Personne qui ne m'entend. Putain de merde. Ah bah bien. Bah lui apparemment il m'a vu. Vous faites quoi les mecs? Vous êtes où? Ok, c'est bon, je monte. Aïe. Aïe. Ah, bah apparemment je me suis bouffé une balle, mais alors de quoi? J'en ai aucune idée, j'ai même pas vu l'endroit d'où est-ce que je me suis pris la balle d'ailleurs, à vrai dire. Donc bon, c'est la dèche. Je m'étire, c'est chiant. Faut dormir la nuit, oui, mais enfin bon, faut monter aussi la nuit. Ah putain, mais il doit y avoir un autre sniper là en fait. Aïe. C'est bon. C'est bon. Aïe. Il y avait un putain de baril explosif autour de moi. Apparemment. Bon, apparemment, le coup de la pirogue, il passe pas. Le coup de la pirogue, il passe pas. Faudrait que j'arrive à... J'ai un sniper en visuel. Quoi? Bah, on est repéré. Non, non. Ok, de ce côté. Deux secondes, je prends le volant. Bois! S'il fait penser que j'ai soif. Je suis seul à voir un. Ils vont m'avoir vu. Parce que voilà. Pas grimper sur le caillou là. Hop. Là non plus, il veut pas grimper apparemment. Drôle le symbole là-bas. Quoi? Toi à couvert. Je sais pas ce qui m'arrive. Honnêtement, je sais pas. Je crois que je me fais. Je crois que je me fais... merde, je m'en rappelle plus le mot. Oh, ah. Je me fais lance-grenadisé. Je capte pas d'où ça vient. Je suis désolé. Je dois être con. Voilà, merci. Wow, wow, wow. Repli, 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 t'es rigolo, toi. Moi, je touche quand je tire. Tu vois la différence? C'est pas un méchant. Mais merde!
Le jour se lève en plus. Et voilà. Là-bas, il y a une plage. Je rêve pas. Oh! Voilà, ça prendra. La tôle, c'est pas par balle. Je l'ai eu. Je l'ai eu aussi. Putain, mais j'ai l'impression que plus je les tue, plus ils reviennent, quoi. Non, non, faut pas exagérer. Où est-ce que tu me touches? Ils sont deux là. Possible. Ce con a trouvé de la tôle par balle. Ah! Ah, je l'ai eu. Ok, c'est bon. Cette zone-là est libérée. Libérée! Délivrée! Ça y est, je peux rentrer sur le bateau. Et maintenant. Et maintenant. Il nous faut plus qu'une étincelle. Et foutre le camp. Et après ça, on fout le camp. Apparemment, tout à l'heure. Quittez le bateau avant qu'il en explose. Allez. Serrez sur moi. Bien compris. Bougez-vous le cul, ça va sauter. À table. Magie, magie, magie. Et nos idées ont du génie. Oh, oh. Ok, ça c'est fait. Bon, ça en fait deux. Là, on en a moult à faire. Et quoi qu'il en soit... Tiens, j'ai quelque chose à faire ici aussi, c'est rigolo. Du quoi qu'il en soit, faut qu'on aille très très loin, donc ça va être compliqué. Sauf s'il y a un hélicoptère ici. Qui sait ? C'est pas ce que je voulais faire, je voulais zoomer. Et je ne peux pas parce que je suis encore en combat. Bah oui, avec une personne qui est à... Oh putain. Non. On la voit en plus. On fait péter un truc, c'est une bonne journée. Et les missarios ont intérêt à intervenir en urgence. Ou son papy va lui faire la peau. On va continuer à lui mettre la pression jusqu'à ce qu'il craque. Et là on chope. Oh la vache. C'est plancouillé ou quoi? Ah, je suis à 400 mètres, tu vas pas me le donner celui-là quand même, merde. Je le veux ce tir. Mais non, mais arrête, je le veux ce tir, moi. Non, mais je crois qu'en fait il est derrière la colline, quoi, c'est encore pire. C'est encore pire.
Qui est en train de pisser là? Ok, je pensais que je pouvais lui laisser la vie sauve. Mais apparemment, il la voulait pas, sa vie, donc je lui ai prise. Voilà, c'est triste. C'est une histoire triste, hein, chers amis, malheureusement. Je n'y peux rien. Tu m'entends? Tu me sens arriver? Alors là, je l'ai pas compris. J'ai pas compris le principe. Est-ce qu'on peut m'expliquer? Voilà, nage. En parlant d'aller nager, ça pourrait être intéressant de... Prépare-toi à ouvrir cette voile. Je voulais voir s'il y avait une animation de plongeon. L'espace d'un instant, j'ai été heureux. L'espace d'un instant. Ok, déception. Mais c'est pas grave. On en est où dans l'épisode? 1 heure, merde, j'ai chié dans la colle. Eh bien écoutez les amis, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bulls dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yo.